Le 8 mars de chaque année, les femmes célèbrent leur journée internationale. Elles consacrent la promotion de leurs droits. Ainsi, tout le mois de mars est dédié à la valorisation des droits de la femme. Cette année 2019, les femmes congolaises n'ont pas dérogé à la règle. Dans le département de Pointe-Noire, sous la bannière de Madame Félicité Brésil Diop Melo-Chilombou, directrice départementale de la promotion de la femme, une série d'activités a été organisée. L'épilogue de ces activités est intervenu le samedi 30 mars. Une soirée récréative a été organisée à l'intention des femmes dans un hôtel de la place. À cette occasion, Félicité Brigitte Diop Melo-Chilombou a prononcé un mot de circonstance, dont voici un extrait. Pour la célébration de la Journée internationale de la femme, il a été retenu comme thème, au plan international, l'égalité des lignes de pensée, des constructions intelligentes, des changements par l'innovation. L'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base. Durant le mois de mars, les femmes du département de Pointe-Noire se sont mobilisées en organisant plusieurs activités qui dénotent de leur adhésion au thème de cette année. À l'instar des conférences débats animées le 8 mars à Chambanzasi avec comme thème « Droits et devoirs de la femme, femmes et antivaleurs », la contribution de la préservation de la forme halieutique pour l'autosuffisance alimentaire. C'est ici l'occasion pour nous de saluer et de féliciter toutes les femmes du département de Pointe-Noire qui ont bien voulu organiser différentes activités sous la houlette des départements, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Entre autres temps forts de cette soirée, la projection vidéo des activités menées durant le mois de mars, puis la remise des diplômes aux individualités et réseaux des femmes. Le clou des activités de ce mois de la femme est intervenu dimanche 31 mars au cours d'une messe d'action de grâce dite en l'église évangélique du Congo, paroisse du plateau centre-ville.